Merci madame. Bon courage, hein. Bon courage. Merci beaucoup. Merci. Ibrahima a gardé les vieux réflexes de chauffeur de taxi de première classe. Le confort des passagers, le respect des horaires et la sécurité ont été les trois moteurs pour créer son entreprise. Salam Transport, devenue en 6 ans la compagnie numéro 1 de bus privé au Sénégal. À l'intérieur, tout est en place, les bouteilles d'eau. Tout est en place, ouais, les bouteilles d'eau. On va aller vérifier ça tout de suite. Ouais. Installée sur le site d'une ancienne décharge au bord de l'autoroute, la société Salam Transport compte aujourd'hui une 20aine de salariés. Rendez-vous, 18h, et une flotte de 7 bus achetés en Chine qui relient les différentes villes du pays à Dakar. Là, le bus, il est propre, nettoyé. La climatisation, vous avez vérifié aussi? Exactement, ça marche. Et la Wi-Fi aussi, vous avez vérifié? Wi-Fi aussi, ouais. Les écrans télé? Les écrans télé. Par contre, il manque les bouteilles d'eau. Hein. Les bouteilles d'eau. Donc là, il faut les installer. On va leur donner les bouteilles d'eau en moins de temps. Quand j'étais petit, quand on venait en vacances avec ma mère, c'est vrai qu'on allait à Tamba, à plus de 500 km d'ici. Et c'était vraiment, vraiment éprouvant. Je me suis dit, on va être dans des conditions vraiment catastrophiques. Et je me suis dit, mais voilà, aujourd'hui, pourquoi on ne pourrait pas voyager dans un confort digne de ce nom? On vit dans un pays où malheureusement on n'a pas les infrastructures adéquates pour pouvoir rallier toutes les régions du Sénégal. Il y a toujours eu des véhicules, mais ce qu'il n'y a pas eu, on va dire, c'est le mode, le style Salam Transport. On va dire on est les premiers. En route pour le lac Rose, s'il te plaît, dans 30 minutes, je vais pouvoir te montrer les images du terrain que tu m'avais demandé au lac Rose. A tout de suite. Alors là, j'ai appelé une cliente. Elle veut faire un investissement parce que les terrains au Sénégal, ça prend de la valeur très très rapidement. Et l'idée, c'est que j'aille pour qu'elle puisse choisir si elle préfère le terrain d'angle ou celui du milieu. À 35 ans, Kumba avait un poste confortable de manager dans une grande banque française. Mais la jeune femme, qui a grandi dans une HLM à Asnières avec 5 frères et sœurs, a ressenti l'appel de l'Afrique. Alors elle a pris 1 an de congé sabbatique et sa petite auto pour s'installer à Dakar et tenter l'aventure. Elle a monté son entreprise Paris-Sénégal pour accompagner des Franco-Sénégalais dans leur projet de retour au pays. J'ai constaté depuis le Covid qu'il y a eu vraiment une accélération et un éveil des consciences où beaucoup veulent revenir au pays, beaucoup veulent s'installer, beaucoup veulent juste même investir. Hein. Il y a du potentiel ici. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas comment faire. Ils ont souvent eu des mauvaises expériences aussi. Ils ont été mal orientés. Et nous, ce qu'on doit faire, en tout cas moi, sur ce quoi je travaille, c'est de les accompagner en toute confiance et en sécurisant toutes leurs transactions en lien avec le Sénégal. Salam alaikum. Ça va Omar, tu vas bien? En bordure du lac, Kumba retrouve Omar, un courtier en immobilier qui l'aide à dénicher les bonnes affaires et éviter les arnaques. Super. Donc la cliente, elle est intéressée par le 9 et le 10. Et le 10. Car ici, il n'est pas rare qu'un terrain soit vendu 3 ou 4 fois en même temps à différents acheteurs. Salam alaikum, Fati. Tu vas bien? Ça va. Donc, comme convenu, on fait cette visio
pour que tu puisses visualiser ta demande. Exactement, c'est le temps que je cherche, ouais. En tout cas, sache que c'est une grosse opportunité. En termes d'emplacement, on est au Lac Rose, c'est une zone touristique. Du coup, là, je vais mettre en face des terrains pour que tu puisses avoir la visibilité souhaitée. D'accord ? Ensuite, pour le deuxième lot, c'est juste derrière ici. Ah, c'est le puits qui est derrière, d'accord. Voilà. Donc là, quand tu additionnes les deux, tu as 300 mètres carrés. Là, tu es vraiment dans ta maison, là. Voilà. À 50 mètres carrés près. Le puits, il est pas fonctionnel, le puits ? Oui, il est fonctionnel. Après, sache que si tu en as un juste devant la maison, c'est un avantage. Je peux te laisser un délai de 7 jours, mais au-delà des 7 jours, c'est premier venu et premier servi. C'est malheureusement, je ne peux pas dépasser 7 jours, mais je ne sais pas, après peut-être 7 jours, ça te va. Kumba, comme Ibrahima et les autres candidats au retour, ont presque toujours la même histoire. Un père ayant émigré en France, un milieu très modeste, une enfance en banlieue parisienne et des parents très attachés à leurs racines africaines. Pour les enfants de la diaspora, le bled de papa est devenu leur pays. Aujourd'hui, je suis sénégalais, ça je ne pourrais pas le nier, je ne pourrais jamais le rejeter. J'ai vécu en France, j'ai grandi en France, ça aussi je ne pourrais jamais le rejeter. Donc c'est simplement aujourd'hui, moi je peux me considérer comme un enfant métis. Donc un enfant métis, il ne peut pas dire je préfère mon père blanc que ma mère noire, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un peu la même situation. En alliant les deux cultures, ça peut être beau. Aujourd'hui, c'est la même transport. C'est vrai que c'est dans le pays sénégalais, c'est vrai que ça tourne au Sénégal, mais ce qu'il y a autour de l'âme, on va dire, de Salam, il y a aussi une partie d'âme française. Parce qu'aujourd'hui, on a amené une rigueur, on a amené une discipline, on a amené une condition de travail qui se trouve qu'en Europe. Aujourd'hui, moi, j'ai décrit l'Afrique de la France dans les années 60, les années 50, quand avant, les Portugais commençaient à arriver, les Algériens, avec les bars, les Marocains, avec ce qu'on appelle les épiceries, vous voyez ce que je veux dire? Donc, les Tunisiens avec les boulangeries. Donc, en fait, pour moi, l'Afrique, c'est les années 50 d'avant. Et je pense que les jeunes comme nous commencent à prendre conscience qu'il est encore possible de pouvoir encore, d'une, réussir en Afrique et en même temps aussi aider à développer son propre pays. Bonjour Ousmane. Oui, déjà. Vous me livrez quelque chose pour quand? Pour plus tard, jeudi. C'est bon. Ouais. Idrissa Diabira est à la tête d'une agence gouvernementale qui aide et accompagne les petites et moyennes entreprises au Sénégal. Chaque jour, il voit arriver sur son bureau de nouveaux dossiers de création de sociétés par des enfants de la diaspora. La diaspora, pour le Sénégal, est la 15e des régions. Le Sénégal compte 14 régions. 7 bus, 4 enfants, Ibrahima a l'appétit vorace des entrepreneurs qui flairent les bonnes affaires. Il fourmille d'idées nouvelles avec Idrissa, son associé et ami d'enfance. Ce matin, surprise, son père, qui lui vit toujours en France, est venu lui rendre visite. Mes enfants, je suis content de vous d'abord. Content, vous avez le baraka, la bénédiction. Vous êtes né en France, mais vous avez pensé vos arrière-parents, c'est-à-dire nos grands-parents. On connaît quoi? On masse à pied le cheval et l'âne. C'est ça qu'on connaissait. Alors, c'est une grande fierté pour moi. Parce que les enfants faits à l'étranger, surtout en France, on n'a pas la même éducation. Nous, on est grandi ici au pays, au Sénégal. Je sais qu'est-ce qui s'est passé. Je sais, j'ai souffert, j'ai essayé tout. Je suis parti du Sénégal, j'étais là de 18 ans. 18 ans, j'ai quitté mon village au Sénégal oriental, à Tambacounda. J'arrivais en France dans les années 71, que j'ai commencé à travailler comme un plongeur. Et à force, j'ai appris petit à petit le métier de cuisinier. Et à la fin, je suis devenu un chef de cuisinier. Moi, mon choix à la fin aujourd'hui, je demande à Allah encore de faire plus. Plus, c'est quoi? D'avoir des avions. D'avoir des avions, ils voyagent avec. Et Kumba continue à s'accrocher. Le rêve d'une vie où tout est possible, c'est aussi ce que sont venus chercher les enfants d'immigrés installés au Sénégal ou sur le point de faire le grand saut. Bonjour, bienvenue. Merci. Toi, attends, je pense que t'es Alma Sirweb. T'es venue t'installer?
Ouais, j'essaye. Hein. Ça fait combien de temps? Un mois. Un mois? Je commence à avoir le mal du pays. Ah, le mal du pays? Ouais, là, depuis le début de semaine, là. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'est arrivé? Intoxication alimentaire, la chaîne. Ma peau. Ouais. Ok, bienvenue, installe-toi où tu veux et je suis super contente que tu viennes. Bienvenue en vacances. Kumba organise régulièrement des rencontres par le biais de sa petite entreprise de service, Paris Sénégal. Organisme médical au Sénégal. Ce matin, au menu dans un hôtel chic de la capitale, brunch, retour au pays et réseautage. Ça va passer vite. L'objectif, c'est plus de proximité entre nous et pour nous, parce que c'est vrai que quand tu fais un événement, il y a 300 personnes, on ne peut pas parler aux 300 personnes. Échanger entre vous, il y a des opportunités de synergie incroyables. Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Binta Gissé, je viens d'arriver il y a un mois. Moi je trouve en tout cas pour ma part que l'installation au Sénégal, on se prend un petit peu une claque je trouve, parce qu'on n'est pas trop préparé. Venir en vacances et venir s'installer, ça n'a rien à voir. Voilà, on est confronté aux difficultés des locaux, coupure d'électricité, coupure d'eau, hein. Je pense que ça parle à tout le monde. Mais voilà, c'est vrai qu'on a quitté un confort qui est la France, mais c'est pas pour rien. J'espère que je vais rester un bon moment, hein, et voilà. Merci à vous. Bonjour, moi je m'appelle Mariam, je viens d'arriver il y a 2 jours. C'est vrai. Donc je m'installe tout doucement, je suis infirmière de base. Je m'installe d'abord et après je vais pas à pas. Levez la main si, comme moi, vous êtes passionné d'Afrique et que vous êtes convaincu que l'avenir est devant vous. Levez la main si, comme nous, vous êtes convaincus que l'union fait la force. On passe notre temps à être entouré de problèmes. Et nous, et c'est ça l'invitation que je veux vous faire aujourd'hui, soyons les solutionneurs, soyons les apporteurs de solutions à tous ces problèmes que l'on rencontre au quotidien et osez aller beaucoup plus loin que les limites qu'on veut nous fixer en Europe. Cette jeunesse franco-sénégalaise ne voit plus la France et l'Europe comme un Eldorado et a fait le choix du retour. Je suis resté 23 ans en France où j'ai fait beaucoup de choses. J'ai fait un beau parcours professionnel et à un moment donné, il y a le déclic. Il y a le déclic de où on est plus utile. Et ça m'a incité à revenir au Sénégal. Bakary Koly a travaillé 15 ans à la Caisse des dépôts et consignations en France. Son idée au Sénégal, monter une start-up de livraison avec des motos électriques. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire avec nos motos? Je vais livrer avec cette moto. Tu veux faire de la livraison? C'est une activité qui marche bien à Dakar. Hein? Mm. D'accord. Tu livres quoi en général? Des pizzas, des courriers et tout. Donc nous, notre moto, elle est très adaptée à l'Afrique. Et surtout, elle est électrique. Mm-hmm. Parce que l'enjeu, c'est l'énergie. Elle a de l'autonomie, cette moto-là? Oui, elle a de l'autonomie. Une batterie pleine peut tenir 140 km. Donc là, tu ouvres la batterie, elle prend 2 batteries, tu mets la batterie dedans. Et ces batteries-là, une fois qu'elles sont vides, tu viens les échanger ici. On a des bornes de batterie. Donc ces bornes-là seront placées un peu partout à Dakar. Yeah. Ce seront des boutiques à batterie. Donc tu vas venir, chaque fois que tu auras besoin, tu vas badger. Comme ça, on va lire que c'est bien toi, Serine, qui fait ton échange de batterie. Et tu viens, tu remplaces ta batterie, tu mets la vieille, tu la remets, tu la branches et tu prends une nouvelle. Voilà, d'accord. Donc c'est un système qu'on appelle SWAP, donc ça permet d'être autonome. Avec 6 000 francs CFA par jour, vous avez tout inclus. La moto, l'entretien de la moto et la recharge gratuite 24 heures sur 24, donc en kilométrage illimité. Et on vous offre l'assurance de la moto et l'assurance santé pour toi, ta femme et 2 de tes enfants. C'est le package complet qu'on vous met pour que vous puissiez travailler sereinement. C'est intéressant. Oui, c'est une offre unique en Afrique de l'Ouest. Grâce à des investisseurs néerlandais, Bakary a installé ses ateliers sur l'ancien site du parc des expositions de la ville. Il vise d'ici à 3 ans une production de 50 000 motos fabriquées à Dakar et qui rouleront dans toute l'Afrique de l'Ouest. À Little Wigo, nous avons décidé d'avoir des équipes mixtes pour l'atelier de montage. C'était une volonté de notre part d'avoir une entreprise qui travaille sur l'égalité homme-femme. Et on va continuer à faire ce type de recrutement dans le temps. Et cet impact social peut transformer la société. On est dans des sociétés qui bougent. D'ici 2030, 70% des emplois qui vont se créer, on ne les connaît pas encore. Donc,
On a besoin de rêver ici en Afrique et de rêver en Afrique et pour l'Afrique. Et nous, nous voulons contribuer à rendre ce rêve une réalité. Résoudre à tous les conducteurs de taxi-moto. La compagnie Bob est là. Gakas, Kaolack, Sénégal. Il est temps qu'on soit conscient. Réveillez-vous, il est temps. La jeunesse, il est temps. It is time.